factoriser les expressions suivantes. L'expression A, 16x plus 20y. Pour le factoriser, il faut chercher le facteur commun. Donc le facteur commun dans l'expression A, c'est le nombre, Adam. C'est le nombre 4. Rien. C'est le nombre 4. Vas-y. Alors, l'expression A, c'est 4 fois 4x plus 4 fois 5y. Ça fait 20. Alors, le facteur commun, c'est le nombre 4. D'accord? Alors, on factorise par 4. 4 facteurs, donc le reste, c'est 4x plus 5y. Donc, l'expression A, c'est 4 facteurs, 4x plus 5y. Ça fait 20. L'expression B, on a 4x au carré moins 2x. Normalement, le facteur commun, c'est Yassine 2. 2x. Très bien. Il y a des 2. 2x. Au 4x au carré, c'est 2x fois 2x. Normalement, 4x, c'est 2x fois 2x moins 2x fois 1. Ça fait. Donc, le facteur commun, c'est 2x. Oui. Le reste. Donc, le premier terme, c'est 2x. Alors, 2x, facteur 2x, 2x, 1, moins 2x. Moins 1. Oui, ça va? Bien. De tout d'abord, l'expression C, tu connais ça, bien. Bon. Donc, l'expression C, on a 4, pardon, on a y au carré fois x plus y fois x au carré. Je vais créer l'exposant 2. Radine simplifie. X au carré, c'est x fois x. Ouais. Normalement, avec des y, il y a y fois x. D'accord? Plus y fois x au carré, c'est y fois x fois x. D'accord? Le facteur commun, c'est x. Ah, sauf le premier terme, des x ou des y. Au deuxième terme, des x ou des y. XY. Le facteur commun, c'est XY. Y, KNF, le premier terme. Y, KNF, deuxième terme. X, KNF, le premier terme. X, KNF, deuxième terme. Normalement, le facteur commun, c'est XY. Facteur. Je vais aller au palier. Y. Y plus X. Oui. Ça va? Bien. Alors, nous devons d'abord l'expression D. Nous avons l'expression D. Je vais vous dire que je vais vous dire un petit peu. Je vais vous dire un petit peu. Donc, je vous dire. Donc, l'expression D, on a 2 fois x plus 1 plus y fois x plus 1. Normalement, le facteur commun, c'est x plus 1. Donc, on va x plus 1 qui est le premier terme ou qui est le deuxième terme. Oui. Ça fait donc, alors, x plus 1 facteur 2